Salut, c'est Laurine du compte La Pote Gênante. Oui, parce que je m'appelle Laurine en fait, je m'appelle pas La Pote Gênante, mes parents ne m'ont pas appelée comme ça et aujourd'hui je vais vous parler de mes favoris. Ma marque de sneaks préférée, ça va être Nike. J'adore Nike, pareil, je vis Nike, je mange Nike. Pour moi, ils sont indétrônables. Par contre, Nasty Gal font des baskets de ouf. Et là, je commence à un petit peu, on va dire, détourner mon regard. Ma sœur Kardashian préférée, c'est Kimberly Kardashian. Cause she's like, elle est toujours comme ça de « Yeah, we were with Kanye and Northy ». Elle a l'air toujours désabusée. J'adore son attitude et c'est une OG. Pour moi, elle a... La meuf, elle lance des tendances de ouf et on la suit comme des moutons et on adore Kimberly Kim. Ma pièce préférée, je dirais les t-shirts noirs. Parce que, quoi qu'il arrive, on s'en sort toujours avec un t-shirt noir en fait. Guerre, pas guerre, situation de coronavirus, tout. T-shirt noir. Ma ville préférée, c'est New York. Par contre, j'ai jamais été à New York, mais je sais pas, dans ma tête, c'est ma ville préférée. Je pars du principe que si un jour j'y vais, je vais me dire ouais, j'adore New York, c'est ma ville préférée. Mais j'ai jamais été, mais quand même. Mon compte Insta préféré, c'est AstroTruc. C'est AstroTruc, je vous le dis, moi c'est une science, l'astrologie c'est une science. Si on vous dit vraiment manger des croissants le matin, mangez les croissants le matin. Surtout si vous êtes bélier, ça va un petit peu vous calmer. Mon animal préféré c'est les chats. Et mon chat surtout. India, elle est trop belle. Vraiment mon chat c'est toute ma vie. D'ailleurs India, si tu passes par là, je t'aime. Mon film Disney préféré, c'est Le Roi Lion parce que là... Non, j'arrête. En plus, je suis lion, donc je trouve que ça représente vraiment notre état d'esprit, ce côté un peu sauvage, aventurier, j'adore. Mon icône féministe, Beyoncé. Beyoncé parce qu'elle a réussi à apporter au divertissement une touche très sexy, très affirmée. Et je pense que c'est une vraie businesswoman comme j'ai envie d'être en fait. Bon après, je remplirai pas des stades de France avec des corsets en faisant, tu vois, des trucs comme ça avec ma wig, mais bien c'est direct. Ma marque de vêtements préférée, Monki. Et d'ailleurs, vraiment, j'ai besoin de communiquer cette information. Les jeans Monki, ça vous fait des fesses, mais vraiment des fesses, non, Monki. Mon plat préféré, c'est la pizza. Matin, midi, soir, nuit. Par contre, les gens qui mangent des pizzas à l'ananas, I don't understand. Je comprends pas. Ma chanson préférée, c'est une chanson libanaise qui s'appelle Fakarni, qui est chantée par une chanteuse qui s'appelle Haifa Werbi, que j'adore, qui est une icône au Liban. Et cette chanson-là, c'est une chanson qui parle de séduction, mais d'une manière tellement élégante et je pourrais l'écouter tous les jours. Donc, ouais. Fakarni de Haifa Werbi. Ma marque de make-up, j'utilise beaucoup de marques différentes. Mais pour moi, pour briller en société, faut du Anastasia Beverly Hills. T'as ça sur tes yeux, t'es tranquille. Je pense que tu peux arriver en haut de la hiérarchie assez facilement dans ton entreprise, quoi. Ma couleur préférée, c'est le rose et si possible avec des paillettes. Ma série préférée, The Handmaid's Tale, parce que j'aime bien cette notion de réalité amplifiée, hyper glauque. C'est un peu trash, mais ça dépeint un tableau de la société qu'on peut retrouver dans justement certaines sociétés. Et c'est une série qui est très engagée, qui est féministe aussi, et j'adore le personnage principal. Mon influenceur préféré, c'est Jackie Aina. Vraiment, cette fille, je l'aime trop. J'aime trop ses contenus. Et pour apprendre l'anglais, d'ailleurs, à tous, suivez des influenceurs anglophones, ça va vous faire du bien. Et cette fille-là, je sais pas, elle a un truc très solaire, elle a un truc très... De toute façon, Jackie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et retrouvez-moi sur mon compte Instagram et sur TikTok, La Pote Gênante.